d'innombrables morceaux composés en hommage au bateau du Mississippi. C'est un rag composé en 1914 par Ernie Burnett, Steamboat Rag. Je m'excuse, vous venez d'entendre non pas Eddie Bernard, mais bien entendu, vous avez fait la correction vous-même, c'est le trio de Claude Bolling qui a joué en Mississippi, sur le Mississippi. Un autre célèbre orchestre des Riverboat fut celui du trompettiste de Saint-Louis, Charlie Creath. Pops Foster, Lonnie Johnson, Zooly Singleton ont joué avec lui. Un témoin raconte que pendant l'été, tous les lundis soirs, les Noirs de Saint-Louis avaient le droit de faire des excursions sur deux bateaux à roues, le JS et le Saint-Paul. Souvent, dit ce témoin, avec mes amis, j'écoutais méduser les étranges mélodies qui venaient de loin du fleuve Bouer. Et ensuite, vous allez entendre vraiment cette fois-ci le morceau que j'ai annoncé tout à l'heure, le morceau composé en 1914 par Ernie Burnett, Steamboat Rag. Thank you.
Tom Turpin, pianiste, compositeur, propriétaire de café, était un des chefs de file de ragtime à Saint-Louis au tournant du siècle. Under Say Rag, composé en 1899, honorait cette ville, c'est Saint-Louis Rag. Et c'est Claude Bowling qui va jouer Saint-Louis Rag ce soir. Dans de nombreuses villes le long du Mississippi, le grand événement de la journée était l'arrivée d'un bateau. L'humoriste américain Mark Twain nous a laissé des descriptions pittoresques de ces arrivées. Tous les habitants de la ville quittaient leur travail pour s'assembler sur les quais. Et puis, il y avait les courses, comme celle historique entre le Robert E. Lee et le Natchez en 1870. Louis Muir a composé un morceau intitulé « Waiting for the Robert E. Lee », attendant le Robert E. Lee. Maxime Sorry va interpréter pour vous « Waiting for the Robert E. Lee ». Et avec ce thème, nous allons terminer aujourd'hui au Club de la Huchette notre évocation du jazz le long du Mississippi.